se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur IGS. On affronte cette fois-ci un joueur 1Q, ok. On a blanc du coup, avec 0,5 de commis. Et on a 1 minute de temps principal chacun, plus on doit jouer 25 pierres en 10 minutes. Donc on a joué Oshikomoku chacun. Et il approche directement mon Komoku pour m'empêcher de faire une fermeture de coin. Donc une fermeture de coin que j'aurais pu faire par ici. Comme lui, il pourra en faire une par là, donc à voir si moi-même je l'empêche d'en faire une. Déjà, on va finir ce Joseki. On va jouer ici, très important. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas trop, par exemple, si j'approche par ici, il peut facilement venir punir. Donc imaginez qu'il n'y ait pas cette pierre en F17. On résiste comme ça, il peut faire le hané. Et là, il y a quelques séquences que vous pouvez explorer qui embêtent quand même pas mal blanc, parce que, il se fait enfermer dans le coin, et dès le début, se faire enfermer, c'est quand même pas très agréable. Noir prend une force assez intéressante, sachant qu'il a une pierre en Oshi ici. Il est en 4ème ligne là. C'est plutôt cool pour lui. Donc là, c'est pour ça qu'on rajoute souvent, et quasiment tout le temps en fait, le coup en F17. Il approche directement là, il n'a pas envie de faire son extension naturelle. Et on va faire quoi? On va juste étendre ici. Et là, on lui laisse le choix. Est-ce que tu fais ton verrou de coin, mince, ici, ou est-ce que tu fais ton extension? Il fait son extension, d'accord. À savoir que l'extension, il reste toujours des points d'approche. On peut toujours approcher au contact ou en deuxième ligne très profondément pour menacer de connecter en B14 ou de sortir en D12. Le contact en D9, il faut calculer si on a un chichot vers O17 et sur le bord bas. Donc c'est avec des questions de double année, tout ça. Et C8, l'invasion, tout simplement, on va dire. On va approcher ici. Et peut-être Tenuki, quand il aura répondu, pour venir directement à Sensen. À voir. Parce qu'en soi, on a déjà un coin ici. Là, c'est. Ça va être dur d'avoir le coin. Si on envahit, ça va être dur d'avoir le coin. Ici, ça dépend quand il répond. Ok, solide, parce qu'il aurait pu aussi répondre R4, hein, en soi. Et là, c'était dur de Tenuki. Hein. S'il jouait là, c'était assez dur de Tenuki de se dire ok, je vais là. Si tac, imaginons un Tenuki. Plus tard, quand il vient ici, c'est vraiment très fort quoi. Donc il vaut mieux éviter. Et là, ça donne envie de prendre un coin. Ça a l'air quand même intéressant. Bon, il va sûrement pousser de ce côté. Et venir pincer par ici, j'imagine. Ah non, il joue de l'autre côté. Ok. Il joue de l'autre côté. Sûrement parce qu'il se dit que quand il obtiendra son mur comme ça, venir ici, la pierre en H17 menace tout de même une réduction en E18, mais c'est pas si grave, je pense. J'ai l'impression que le bord droit est intéressant pour lui, je sais pas. Dans cette optique-là. Là, il veut faire le double hané et récupérer son coin. Il a peur de ne pas avoir assez de coins de. Si là on joue la séquence trop classique, il se dit peut-être que j'aurai qu'un coin et c'est pas satisfaisant. Je peux comprendre. Donc la double hané. Et il me laisse un Ponoki sur le bord droit. Est-ce que c'était plus intéressant pour lui de laisser un Ponoki sur le bord droit ou sur le bord. Je pense qu'aucun des deux n'est intéressant pour lui. Je sais pas. Bon, il récupère le coin. Mais juste le coin. Hop, on capture. C'est bien là, comme ça utilise nos coups. Et il est toujours dans son temps principal. Okay. Et il faut savoir qu'ici, certains me disent de jouer directement ce coup d'ailleurs. Pas le jouer tout de suite. J'ai souvent eu des personnes qui me disaient, et des personnes plus fortes que moi, qui me disaient de le jouer tout de suite. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment, je peux venir. Donc. Je peux venir en O18. Ce qui menace de jouer en Q18. Et du coup de sortir ses pierres et de prendre le coin. C'est énorme. Et d'attaquer ses 4 pierres. Donc en fait, quand il va vouloir se développer sur ce bord noir, s'il vient par là, et même s'il rajoute plusieurs coups, bon peut-être des coups un peu plus intéressants, peut-être 4ème ligne, je peux quand même venir un jour là. Et embêter. Et s'il protège, ok, bon bah maintenant je peux sortir d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Mais en tout cas. C'est dur pour lui de développer ce burner. Donc on est assez content.
Ici, peut-être qu'on a envie de monter comme ça. D'augmenter la taille de notre groupe ici. Sachant que ce coup-là, on pourra l'avoir à tout moment aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que ici, on a ça. Faut vraiment faire attention de sa part. Parce que s'il joue quelque chose d'autre que au 14, imaginons le double année, hein, on fait Atari. Puis on vient ici. Et il ne peut pas bloquer sinon on capture. Donc il y a des coups intéressants ici, et du coup ça me fait dire que je peux faire quand même un bord droit assez intéressant. On sait que le bord nord c'est difficile. Pour moi c'est difficile de développer, hein. Je peux aller en J17 pour faire vraiment des points. Donc pas si intéressant que ça pour moi je pense. Ce bord droit a l'air intéressant. Sinon il y a prendre le coin ici, mais je peux me prendre une sacrée pression sur les pierres en même temps. Hein. Lui il peut attaquer en R12 par exemple. Et envahir, on a vu que c'était pas si pressé que ça. Donc on va venir par là, je pense. Ouais. Ça a l'air intéressant. Je peux me faire des points par ici grâce à la force de mon Ponoki. Ok, Warikomi. Donc, il est prêt à avoir un angle vide, donc qui n'est pas une très belle forme. Mais en échange, j'ai 2 points de coupe. Donc si je protège de ce côté, il dit je peux faire Atari là ou là. Peut-être plutôt celui-là, je sais pas. Celui-là en fait, ce qui l'embête, donc imaginons tac, tac. Ce qui l'embête, c'est effectivement il va développer un peu, hein, mais il me donne un mur quand même infaillible. Et il a un point de coupe, donc il va protéger d'une manière ou d'une autre. Mais là je peux monter là et ouais, il y a beaucoup de points sur ce bord droit. Hein. Donc c'est chiant. Et en plus, si je fais ça et que ça finit comme ça. Pourquoi ne pas avoir tout simplement juste fait année par exemple. Et si je vais par là, ça donne ça. Tac, tac, tac. Donc là, on lui donne le coin, mais on a un mur solide aussi, le SND. Qu'est-ce qu'on préfère? Et s'il coupe de ce côté, je viens là. En fait, si quand je viens ici, s'il coupe de ce côté, ça sera beaucoup de combats. Je pense qu'on va connecter là. Ce qu'on veut, c'est développer un gros potentiel. Et s'il coupe, il est goté. Ok. Bon, on va protéger quand même ici. Hein. C'est important. Est-ce qu'on peut faire ça? On va faire ça. Il fait Atari. Il recule comme ça? Ouais non, peut-être pas autant. Et ici, avec ça, il y a des chances. Je monte. S'il va là, c'est peut-être un peu dangereux. Mais si je recule ici, c'est vraiment triste, je trouve. Quoique ça fait des points, hein. Il va là, je vais là. Ça fait quelques points, mais pff, on aurait combien de points? Donc on a une de pierre ici. On aurait 20, entre 20 et 25 selon comment ça se passe pour cette coupe, j'ai l'impression. Pas mal, hein. On a une quinzaine ici, ça nous ferait 40, on va dire, 45. Ah, on est à 50 points. C'est pas mal en soi. Et si je vais là, en fait, c'est un peu plus gros, un peu plus gourmand. Le truc, c'est que quand je vais là, qu'est-ce qui se passe quand il vient ici? C'est ça la question. Parce que moi, l'idéal serait que ça se passe comme ça, bien sûr. Tac, 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 par exemple. Mais en soi, est-ce que je gagne tant? On gagne qu'il y a la menace d'une coupe en N13 un jour, quoi. Tac, tac. En fait, avec ça, il faut que je sois prudent, parce qu'ici, j'ai un œil, mais j'en ai pas deux pour l'instant. Blanc, noir. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Blanc, noir. C'est risqué, quoi. On va faire ça. J'ai pas envie de prendre trop de risques et j'ai utilisé pas mal de temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai une question. C'est ces coups-là. Là. Bon, là, je joue ce coup-là. Hein. Ces trucs que je vous montre. Est-ce que, à votre avis, parce que j'ai eu une question là récemment, une remarque,
Si c'est une question, je crois. Il m'a dit... il y en a un qui m'a dit en anglais que c'était. Il m'a demandé si c'était pas considéré comme de la triche. Est-ce que vous pensez que l'utilisation que j'en fais, parce que ça, moi j'ai ma propre vision, mais voilà, c'est. Il faut voir ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous pensez que c'est de la triche que j'utilise ça? Ou est-ce que ça va dans la mesure où j'utilise, ça va, ça influe pas sur la partie? Parce que si vous êtes une majorité à me dire oui, c'est de la triche, ben effectivement, je vais commencer à me questionner et me dire bon, on va arrêter ça. Parce que faudrait pas. Ah, c'est pas cool du coup. Mais si. Moi, j'ai l'impression que ça. Je le limite au côté pédago, parce que j'essaye de montrer les séquences dont j'ai déjà parlé, mais peut-être que je me trompe. Donc n'hésitez pas à me dire. C'est important. Donc sur le bord droit, là, on imagine 25 points. On peut les compter tranquillement s'il ne joue pas tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc voilà, on imagine 20. Et si on a, par exemple, si on joue ça, du coup la coupe marche moins pour lui, on ne marche plus du tout, on pourrait imaginer 25. Donc à voir. Il joue ici. Donc là, soit on va en E17 très solide. Soit on vient en G18. On va aller en G18, c'est intéressant. Il vient ici. Ok. On a toujours ce coup-là. On peut combiner avec ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on jouera en premier? Est-ce que c'est si important de le jouer? Il a combien de points ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5, bon. On va dire 25. 30. Il y a une quarantaine de points ici. Ok. On est bien, je pense, pour l'instant. On n'a pas besoin d'être trop agressif. Ça, c'est gros. Ça, c'est gros aussi. Oula, il me reste une minute pour cette pierre. Tac, tac, tac. Je sais pas en fait si je dois venir tout de suite. Parce qu'en soi, si oui, j'embête. Mais mon groupe est faible, quoi. Ouais, si, on va peut-être venir tout de suite quand même. En soi, j'ai pas de groupe faible sinon sur le goban, donc ça va. Et surtout, noir, blanc, noir. Il doit faire gaffe quand même. Il y a des points de coupe, il y a ça qui est important. Il doit faire gaffe. Mais il faut que je calcule rapidement là. J'ai 6 pierres, 55 secondes. Donc là oui, on a ce coup-là à surveiller en fait. Au 18. S'il protège comme ça. On peut. La noire, il viendrait en L17. Blanc, O18. Si noir, B18. On peut sauter en N16. Et maintenant, quand il va en N17, on peut monter en O17. S'il coupe, on peut faire atterrir de l'autre côté et couper. Ça peut être intéressant. Mais, quand il vient en L17 et que je saute en. Et que je vais en. En O18, ok, il joue de l'autre côté, ça c'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ici? Faut quand même que je vérifie. Ok, c'est bizarre. Non, on coupe ici? Ah, je sais pas. Oh, il faut que je joue quelque chose. Mais en fait, oui, voilà, quand je disais L17 et que je vais en O18, il peut ne pas répondre en P18, mais plutôt aller en O17 lui-même. Cache freiné. Ouais, les deux cas ça coupe. Donc ce que je regarde, c'est un peu ça. Tac. Et au lieu de tout de suite sauter en N16, c'est aller ici. S'il fait ça, maintenant je saute ici. Et quand il vient là, je peux aller ici. S'il coupe, on fait atterrir. Et ça coupe sa formation. Il va là, tac. En fait, on capture ses pierres. Donc c'est intéressant. Mais du coup, il veut pas jouer du tout cette séquence. Il veut plutôt m'attaquer. Ce qui est pas bête, hein. Je veux par ici.
Bah, j'ai plus le temps. Oh, 3 pierres en 8 secondes, ça va être chaud. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Ok. On va venir là. Il va venir au milieu. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je me demande s'il a pas droit de couper. Et blanc, noir, blanc. Ok, il vient pas. Je joue pas forcément les coupes, Timo, hein, mais... Vaut mieux ça que perdre la partie. J'aurais peut-être du nobi. J'aurais sûrement du nobi. Parce que là, il peut aller là. Pour assez le stress. Hein. Tac, tac, il peut aller là. Et ça, c'est embêtant. Des choses à dire. Noir, blanc, noir. Blanc, noir, blanc. Mais noir peut faire atterrir là. Tac. Je pense qu'on peut vivre à l'intérieur, mais pff, c'est pas beau, quoi. Il va le faire. Il vient là. En brut. Voilà, c'est ça la séquence que j'étais en train de lire. Il fait ça. On vient là, après on va avoir un œil ici, sauf s'il obtient la pierre, le coup en M15, mais bon. Et il vient ici, très bien. Ouais, bon, c'est pas très bon comme séquence. On va venir jusqu'ici, hein. Ce coup va nous aider quand même. Qu'on va avoir le droit de couper ici. S'il fait atari là, je peux faire atari ici. Il capture. Et ensuite, je peux couper. Il faut vérifier que je sois bien vivant avant quand même. Ok, il préfère jouer ailleurs. Oh là là, il a une belle influence. Hein. Ça, c'est sûr. Là, il menace soit, regarde, il me dit, regarde, si tu joues vers le bord bas, je vais me faire une bonne influence sur le centre. Me faire une grosse zone, mais en même temps, si tu joues par là, c'est le bord bas qui peut devenir intéressant. Ici, on peut encore sauter là, on peut encore jouer des choses par là. Je vais plutôt jouer par ici. Mais ouais, la séquence en haut, c'est pas très bon, j'ai l'impression. Après, il a plus ses points. Hein. Là, il est passé de 40 ici à 10, on va dire, mais. Pff. Laborieux quoi. Ok, s'il me touche pas, on va quand même faire ce coup qui semble assez gros. Ça menace de couper ici. De capturer puis de couper. Ouais. Si je coupe. Non, on va couper. On peut pas trop pousser parce qu'il a pas beaucoup de liberté sur ce groupe. Et nous, on a peut-être des petits trucs en T16, mais après, il y a la capture de cette pierre aussi qui est embêtante. Ah, oui, tout simplement. Oui. Wow. Ah, oui, c'est pas très bon. Je n'avais pas bien vu ça. Après là, il faut qu'il recule comme ça. Ouais, parce que s'il recule en N14, ça a l'air embêtant l'Atari, puis là. Ouais, attention. Donc là, il prend cette pierre, c'est assez gros.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu triste, non? On va sauter par ici, hein? Tant que c'est ouvert. Tant que ça semble ouvert un peu. On va sauter ici. Il bloque, forcément. On va faire cette forme de... pas très bonne, mais... pour avoir une meilleure connexion entre F14 et les deux autres pierres, on vient par ici. Et ensuite, tac, tac, tac. Et ensuite, ça semble intéressant de faire ça quand même. Même s'il nous coupe à pourri. Ça a l'air assez intéressant de faire ça. De capturer ici. Il connecte là, mais on risque rien de ce côté. Et en vrai, il faut détruire de l'intérieur maintenant cette formation. Et en soi, si on détruit de l'intérieur cette formation, il n'a pas vraiment de points dans la partie. Donc c'est intéressant. Comment on le fait? Un peu par ici. Ok. Et on s'en va, quoi. On s'en va. Si je viens ici, il peut taper là. Ouais, ça c'est dangereux parce que si je viens ici, il peut taper là. Ok, je connecte, mais il vient là, tac, tac, et il coupe. Donc attention, je dois faire sûrement ça, même si c'est un peu lent, mais bon. Il vaut mieux faire ça. Là, son coup, il est menacé à la fois de couper, et en même temps, il garantit qu'il prend cette pierre en K12. Je comprends. Bon, on s'en va, et maintenant, voilà, il va attaquer ma formation, c'est logique. On va prendre un peu d'espace ici, écraser un peu. J'ai pas les plus belles formes du monde. Il peut aller là, hein, parce que je peux pas couper tout de suite. Ok, je pouvais pas couper pourtant, parce que quand je viens là, si je viens ici, qui vient là, je viens ici, en fait j'ai des trucs coupés, bah, ça va vraiment abîmer mon coin. Et en même temps, tac, si je venais ici et qu'il allait là et que je coupais, il pouvait faire Atari et capturer mes pierres. Alors certes, ça abîme sa pierre en E5, mais par contre je risque de perdre toutes mes pierres au centre qu'on vient de jouer. Ici, blanc, noir. Il y a des coups intéressants à jouer par ici. Tac, tac. Non, ça marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. Ok. J'ai cru. Mais en fait, il me manque de liberté. Il faudrait qu'il y ait une liberté de moins ici pour noir. Parce que là, au début, je disais ça. Tac, tac, tac. Tac. Et elle est là. Mais en fait, ça marche pas très bien, j'ai l'impression. On va... On va aider ce groupe, quand même. On va sortir encore. Là, oui, là, ça pose problème. Là, c'est la limite du truc, parce que... Ici, là, je vois... tac. Tac. Si je viens ici, en fait, quand il va là,
La limite, c'est Atari. Et il capture les trois pierres. Donc en fait, c'est bien joli tout ça, hein, mais parce que c'est pour ça que j'ai eu un petit blanc, parce que j'étais en mode, ouais, mais je l'aurais pas montré jusqu'au bout, pourquoi ça marchait pas. Ici, il capture mes trois pierres, il y a deux libertés. Il manque une liberté vraiment. Enfin, il a une liberté de trop. C'est embêtant. Par contre, je préfère ne pas toucher, parce que si un jour il force en E11, d'un seul coup, ça réveille quelque chose. On va protéger. Et bien sûr, quand on force et qu'on va ici, il pouvait protéger là. Bon, maintenant, ça change la situation avec son coup en B4. Il pouvait protéger là. Mais quand on reculait, ça avait le mérite d'isoler, on va dire, son groupe au sud-ouest. Bon, de toute manière, maintenant, il vient par là. C'est bien. À protéger le coin. Très gros coup du coup, parce que ça protège à la fois ça et en même temps bah, ça fait du très gros yossé. Bon par contre ça du coup j'ai plus trop d'intérêt à venir ici je pense. On va plutôt si je viens ici c'est pour couper. Mais est-ce que c'est si intéressant de couper? Pas l'impression tant que ça. Est-ce que ça c'est pas intéressant? Peut-être un peu plus, ça fait des points. On n'oublie pas qu'il y a S4 qui est gros quand même à un moment aussi. Bon, en tout cas, un coup dans la zone. Parce que la coupe là, elle fait pas mal de points pour noir. Hein. Après, on est fort des deux côtés. Donc, on pourrait imaginer à la place, quand je fais Atari ici qui descend, aller de l'autre côté. Il vient là, je fais Année, il fait Atari, je passe au-dessous, il capture, on fait Atari au-dessous, il connecte et du combat. En vrai, ça doit être jouable. Ok, il vient ici. La séquence. Parce que là, depuis tout à l'heure, je dis que je vais faire ça. Il vient ici. Et je suis senté, mais il prend un gros coin. Mais en fait, comme je suis assez haut ici, assez fort, on peut se demander si blanc n'a pas droit. Mince, pardon. Blanc, noir. Blanc n'a pas droit d'aller de ce côté. Et là, ça existe, mais il faut vraiment être solide à côté. En fait, noir, il fait cet atari. Blanc fait atari par au-dessous. En fait, sacrifie sa pierre. Noir capture la pierre. Mais blanc fait atari sur les trois, là. Donc noir complète et blanc part comme ça. Donc on connecte par au-dessous, c'est moche. Faut vraiment être sûr de pouvoir capturer les pierres noires. Est-ce qu'on est sûr? En fait, ça demanderait un peu plus de lecture, peut-être un peu plus de jeu, je sais pas. Faut vraiment être sûr que noir ne s'en aille pas. Ok, il vient par ici. Bah justement, pour aider ça, mais en même temps, pour aider ces pierres et agrandir un peu notre zone, on peut venir ici par exemple. Quand je viens là, noir il n'a pas envie de se faire couper. Donc il va très certainement venir en N3. Je viens ici, il vient là. Et on gagne déjà pas mal de force. Et maintenant, noir, blanc, noir. Encore il y a cette séquence, là il est là. S'il sort par ici, on l'empêche par là. Ouais, c'est quand même toujours un peu chaud, je trouve. Mais bon. Ça manque d'une petite pierre par ici. Et encore une fois, ça aide nos pierres, donc oui, c'est pas si choquant. Si je fais ça, il vient là. C'est embêtant. Si je viens là, il coupe. Blanc, noir, blanc recule, noir fait atari, blanc fait double atari ici, il capture et je peux reculer comme ça. J'ai l'impression que ça se joue ça. J'ai l'impression que ça se joue. Je viens là, donc là ce que je vous montre c'est. Mince, pas. Noir, blanc, noir, blanc double atari, noir ne peut pas vraiment fuir en L8, donc descendre. Parce que sinon, je capture la pierre en. Enfin, je vais en M11 et je capture M10 en fait. Et du coup, ces deux pierres en L8, L9 seraient isolées. Mais ça l'arrange pas. Donc là, il capturerait cette pierre et nous, on recule comme ça. Donc là, c'est le plan. On va voir comment il le joue lui, hein, s'il est d'accord ou pas.
Et il recule. Donc là, on peut bien sûr faire cet atari, mais il a le contre-atari, tac, et il a la capture de cette pierre, et en fait, finalement, il rentre là. Donc c'est un peu embêtant. Donc on recule comme ça. Donc encore une fois, on sacrifie une pierre, bon, mais au moins on ferme notre zone. Et c'est là où c'est embêtant, parce que quand je viens ici, maintenant il peut couper. Il faut couper, je pense, pour lui. Mais en même temps, si je protège par ici, est-ce qu'il peut couper ici? Bah, c'est risqué pour moi. Noir, blanc, noir, blanc. Noir. Et là, il faut protéger. Sauf qu'il peut tourner ici. Je peux pas bloquer. Je tourne. Ouais, c'est très risqué. Mais si je viens là, il coupe. Enfin, cela dit, non, ça devrait aller en fait, parce que je suis tellement solide maintenant. En poussant en S5 en montrée, maintenant c'est complètement fermé. Donc en soi, ça s'est à peu près bien passé. J'ai failli oublier mon idée de base. Maintenant, là, comme je vous montrais tout à l'heure, tac, tac, tac. Et on refait la même séquence, vous allez voir, maintenant c'est beaucoup plus dur pour noir, voire impossible. Tac, tac. Et je vais là. Et maintenant, quand il veut sortir, mince, il n'y a que des pierres blanches. Donc il va très certainement mourir. Donc il n'y a pas de problème. J'ai hésité à jouer ça, j'oublie presque mon idée de base, des fois on joue des trucs. Et... Ok, là il joue ça, c'est intéressant, parce que maintenant si je veux avancer ici, c'est goté. Parce que quand je viens là, qui vient ici, si je tente une coupe d'un côté ou de l'autre parce que j'ai lu une séquence, bah, il peut jouer ça directement. Et c'est snapback. Si je capture, il recapture au même coup. Donc ça c'est un coup important, il relie ses pierres, il sauve sa pierre en F8, c'est intéressant. On a B2 qui est gros, on a B14 qui est gros. On a S4 qui est quand même gros. Hein. Ça c'est bien. Encore une fois, attention en montant. 4 minutes pour 13 pierres. On va jouer des gros yossés. Ici, SNT, contrairement à celui-là qui est goûté. Va venir embêter encore un peu. Ça, c'est très gros, hein, j'ai l'impression que. En fait, quand il protège là. Ça questionne sur la survie du groupe sud. Bon, je peux sûrement faire des petits trucs hein, en allant par là, et voilà, mais pas très agréable. Ça, je me demande si je dois pas le jouer tout de suite. Sinon, quoi. Ici, depuis tout à l'heure, je me demande si je fais un coup forçant comme ça, imaginons, je viens là, il vient ici. Hein. Et dans ce cas-là, je peux faire Atari là. Il capture les deux pierres, je peux venir ici. Le problème, c'est qu'il peut faire Atari, tac. Ouais, ça apporte pas grand chose, hein, j'ai l'impression. Il faudrait que ces pierres soient protégées, mais c'est pas très discret. Est-ce qu'on peut aller jusqu'ici? Très probablement. Très gros. Je pense plus gros que le B2, parce que. Quand il vient en B2, bon, je vais en L2, mais ça c'est vraiment gros, c'est coin bord-centre. Il y a encore beaucoup d'espace. Et il a envie de protéger, ouais. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait celui-là ou celui-là? Pro, oui, on va reculer comme ça. Il va protéger, sinon je peux aller en R2 et capturer sa pierre. Donc il recule en R2 ou T2, mais c'est plus classique de faire R2, ouais. Donc là, on a eu cette grosse séquence, ça fait quand même quelques points de plus. On a eu ces grosses NT. En vrai, protéger cette pierre, j'ai l'impression que c'est NT. Enfin, après, non, il peut se dire non, non. Simplement, quand je jouerai ici après, ben vas-y, prends la pierre si tu veux.
Ouais, je me suis là, c'est quand même gros, j'ai l'impression. Il est goté, hein, mais c'est un gros goté. Il fait contre-atterri et on capture. C'est quand même gros. Ça m'enlève pas mal de soucis dans la zone. On va essayer de recompter un peu quand il nous donnera le temps. Je compte une cinquantaine de points. Et moi. Ah non, une cinquantaine. Il a capturé 14 pierres, pardon. Donc 65 points. Ça change. Et moi. Je suis en avance du commis, j'ai l'impression. Ah non, et les 4 pierres. Moi, je suis en avance d'une dizaine de points. Et là, j'ai dit une bêtise parce qu'il n'y a pas de commis. Oh, moins 5,5. Oh, la partie est très serrée, du coup. Mais on a un seul niveau de différence. Ça, par contre, je comprends pas trop. Je sais pas pourquoi j'ai un commis négatif. Du coup, il est peut-être en avance d'un ou deux points. Ça va être très serré. Hop là. Moins 5,5, c'est sévère. Hein. Ah, la partie est peut-être sévère. On va voir, là je n'avais pas trop compté de points, donc compliqué. Après, je me trompe souvent dans mes calculs, donc là j'espère me tromper encore. Ouais. Il y a ça qui est quand même gros. Mais ouais, le moins 5,5, c'est sévère. Alors. Comment on joue ça? Est-ce qu'on a eu santé? Une minute pour deux pierres, ça va aller, ça va aller. Ça sera gros aussi, hein, j'imagine. Ça aussi. Ah, c'est embêtant, hein. On va aller là, ça menace quand même d'aller jusqu'en O1. C'est embêtant pour lui, hein, c'est chiant. Lui, il faut qu'il prenne les CNT d'abord, je pense. Quoique, O1, ça menace pas sa base de vie? Non. Non, non, il vivra. Ok, il pourrait faire protéger quand même. Ok. Donc ça, on est ici que c'était goté. C'est pas très intéressant. 30 secondes. Tac, tac, tac. On peut faire ça. Il capture et on prendra cette pierre. Ça pourrait être gros. On va déjà protéger celle-là. Ça me semble assez gros aussi par rapport à ces séquences. Parce que maintenant, clairement, ce qu'on menace, c'est tac. Ok, il prend les pierres. Il va capturer ces deux-là. Mais on fait ça. Ah, il est en Atari. Et il peut pas aller en Q18 parce qu'il est toujours en Atari s'il va en Q18. Donc, il capture ces deux pierres. Et on peut sauver ça. Tout en tuant les trois pierres dans le coin. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc il préfère éviter ça. On joue de ce côté. Mais du coup, on a sauvé notre pierre en O18 en CNT. Et quand on descendra en L18, on fait 2-3 points de plus. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. On a celui-là aussi qui est intéressant du coup maintenant. S'il va en T17, on peut lancer un coup. Assez chiant. Bon, on pourra aller jusqu'en T18. Il vient ici, très bien. On vient là. Il va protéger en haut. Ok.
Or est dur jusqu'ici. Alors, on a quand même bien réduit le coin. On a ça qui est goté, mais qui est intéressant. On a... cette séquence-là, on disait tac, tac, tac. On se fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 points de plus. C'est quand même gros, ça. Il y a celui-là aussi qui est peut-être intéressant. Tac, tac, mais s'il pousse ici et que je viens là, il peut ensuite faire Atari et je peux pas protéger. Donc non, c'est pas si intéressant finalement. Un peu la même idée que ça. Ça c'est goté, ça c'est goté. Ça, est-ce que c'est intéressant? Blanc vient ici. On a zélé là. C'est pas incroyable, mais... est-ce que je peux aller ici directement? Tac, noir. Blanc, noir. Ouais, pas si fou. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais ça? Ça a l'air assez gros, ça va, je vais venir ici. C'est intéressant ça. Si je connecte... est-ce que c'est pas dangereux pour... non, non, c'est tranquille. Bon, on va prendre celui-là, du coup maintenant c'est moins intéressant par ici, on va venir par là pour retirer quelques points. Viens de ce côté. Ok. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il veut ici? Blanc. Noir. Blanc. Et en même temps, on peut menacer ça. Il viendrait ici, je viens là. Non, mais il peut capturer. Et il serait rentré tranquille, il est vivant des deux côtés, donc il s'en fout de se faire couper. Donc non, non, il faut pas... faut pas que je joue en N11. C'était tentant, hein, d'aller en N11, y connecter, je coupe. S'il y avait eu un problème de vie en haut à droite, pourquoi pas? Mais là, il capture là, il est vivant des deux côtés, tout simplement. Et il serait complètement rentré dans mon territoire. Donc c'était la défaite. Il vaut mieux éviter. Ouais, j'ai pas compté. Hein. Dans mon esprit, c'est juste le meilleur yossé possible. Quoi. On protège ici. On peut pas se faire couper ici. S'il vient là, on peut venir ici. Et s'il vient ici... on peut protéger ici et sauver notre pierre en L6 car il ne peut pas aller en L8 et se mettre en auto-attaque. Donc là il fait Atari, ça c'est assez gros, on répond. Et quelques points quand même ici, hein, c'est inquiétant. On protège, il peut aller là. On protège, il peut aller là. Il prend tous ses unités, il a tout à fait raison. Qu'est-ce que... alors, ici, il a combien? Je compte 73. Avec les pierres capturées. Et nous.
Nous compte 84 moins 5, 5, 78. Ouais, je nous compte 3-4 points en avance. Mais en avance quand même. Ouais, je me compte 3-4 points en avance. Et encore, j'ai donné cette pierre à. J'ai dit ça, c'est à noir. Je pense qu'on va la gagner. Et de très peu. Là, j'ai compté un point à noir. Là, j'ai pas compté à blanc. Bon, ça, c'est à peu près évident. Mais si je viens là, ça change. Ici, j'ai rien compté là. Si je descends là, c'est assez gros. Je pense que j'ai plus d'opportunités que noir de remporter cette partie. Mais c'était chaud. Je pense que cette séquence est assez dramatique. Il vient là. Ok, il me laisse le centé. Parce que là, s'il fait Atari ici, je vais là. Il n'y a pas de souci. S'il vient ici, je vais là. Il n'y a pas de souci. S'il fait Atari ici, je connecte. Mais il ne peut pas connecter sinon je capture. Donc là, il n'y a pas de souci. Avec ses pierres. Tac, tac, tac. Bon, on a plein de liberté là au pire. Donc là, il faut trouver un coup intéressant. Il y a ça qui est intéressant. C'est gros. Il y a ça. Ça, on a vu que c'était une mauvaise idée. Ça, pareil. Donc ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Petit coup par ici qui menace de couper en faisant double atari. Celui-là est intéressant. Petit centé. Quoique. Non, non, en fait il n'est pas obligé de répondre. Parce que le double atari, bah, il capture 3 pierres et ça c'est un coup. On va venir ici. Je pense. Celui-là ou celui-là. Les deux sont gros. Il y a ça aussi. Ouais, c'est vraiment ces 3 coups, j'ai l'impression. On a 4 minutes. Donc ça. Je pense que c'est peut-être le plus petit, parce qu'ici on aura du mal à faire des points, donc ça c'est peut-être le plus petit, ça lui enlève 2 points. Si noir vient ici et qu'on protège ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on vient là, noir, blanc, 4, 6. C'est 2 points aussi finalement. Et ça, si noir vient ici, tu fais 2 points. En fait, ils sont tous équivalents, j'ai l'impression. Ça empêche le noir de faire un point ici. On menace d'aller là. Il fait Atari. Peut-être que c'est celui-là le plus gros finalement. Parce qu'on menace d'aller aussi en H19 et faire un ou deux points là. Alors que lui, il aurait l'Atari, puis la descente. On n'a pas de point ici. Et il en fait deux. Il nous empêche un là. Ouais. Assez dur à dire. Merde, j'ai pas fini mon café. N'hésitez pas à dire hein, si vous avez des séquences un peu mieux pour l'IEC. C'est vrai que là, je sais pas forcément mon fort. Il y a le SDLF en commentaire, comme d'hab, donc en description, comme d'hab. Donc n'hésitez pas à regarder quelle séquence rapporte le plus de points, fait plus de différence. Surtout dans des parties serrées comme ça peut être important. Ok. Ok. Bon, on protège. Il a décidé. Il doit compter qu'il y a un petit porteur aussi. Ça, en quelque sorte, ce coup-là accrédite mon comptage. Donc, il se compte un peu en retard et il dit il faut que je tente quelque chose, sinon, j'ai juste perdu. Ok. Je cache pas que ça a l'air chaud. Parce que, oui, il a des Atari, mais une fois qu'il a enclenché ça, moi j'ai pas mal de liberté sur mon groupe au centre, donc je risque pas grand-chose. Vivre ici, à droite, bon, c'est chaud. Voire impossible. On va voir ça. Quelle est la suite du plan? À mon avis, il a joué cette pierre. Voir comment je répondais, et il va jouer ailleurs. Il va faire cet atari, faire une autre séquence. Parce qu'il va se dire, oh, non, ça marche pas. Ou alors, il va y aller cash et jouer S11. Mais pareil, pour mettre la pression sur ce groupe,
Il joue S11, je vais en R11 et j'ai deux yeux. S'il recule comme ça, je peux aller là. S'il va ici, je peux aller au milieu, pratiquement, en fait. Compliqué. En santé, il a quoi? Il a ça? Pas beaucoup de santé. Si, il a ça, quoi. Qui menace le stand back. C'est à peu près tout. Enfin, il y a les petites Atari, tout le genre, mais il a des gotés sinon. Mais c'est la même situation que moi, c'est le genre de partie où il y a beaucoup de gotés. Et c'est là où c'est compliqué, il faut regarder. Ok, il a bonnet. C'est pas facile de trouver quel est le meilleur goté, en fait. C'est assez délicat. Je lui dis merci pour la partie. Ah, il m'a dit merci aussi. Ok. Je sais pas pourquoi ça fait pas dans le chat là et que ça fait dans un autre truc. J'imagine que c'est la manière dont ils ont programmé la chose. Oh voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas pour le référencement à m'aider en mettant un petit pouce bleu. Et si jamais certains n'ont pas, ne sont pas abonnés à la chaîne et qu'ils veulent être prévenus des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à activer la petite cloche. C'est ça qui vous prévient en fait, surtout de quand je sors une vidéo. Et même si je le fais assez régulièrement, sur, en général, les mercredis, les dimanches, ces trucs du genre, je crois. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'utilisation du logiciel à côté. Est-ce de la triche? Est-ce que ça va? Ça reste pédagogique? Comment j'utilise? Votre avis m'intéresse en tout cas. Sur ce, je vous dis bonne fin de dimanche. Et on se retrouve, ouais, mardi ou mercredi, j'imagine. Salut.